Une escale avant de rejoindre définitivement la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, ancien Premier ministre, est arrivé le samedi 11 novembre au Niger. Selon un communiqué de son parti Génération et Peuple Solidaires, il a rencontré le général Abdourahman Tiani, président de la transition et chef de l'État du Niger, le lundi 13 novembre. Condamné à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État en juin 2021, Guillaume Soro n'a toujours pas annoncé la date de son retour en Côte d'Ivoire. Un retour qu'il a néanmoins officialisé dans la soirée du 12 novembre ou dans une vidéo, il a annoncé sa volonté de mettre fin à son exil.